On la connaît pas encore bien. L'envie d'être l'air, comme un solo contre moi. Dis-moi que l'amour est un jeu, et que bientôt tu reviendras. Camille. Les gens ils nous regardent, ils disent c'est quoi ces dingues, mais on s'en fout. Camille. Je me la pète. Bon, et bien voilà, nous sommes sur la route, à peu près à mi-chemin. Non, pas vraiment mi-chemin. Il nous reste encore 490 km et j'aimerais encore faire 190 km, comme ça, il ne restera plus qu'à faire 300 km demain. On est des dingues, hein ? On est des dingues. Sinon, voilà, le bus se comporte bien avec l'auto derrière. On a fait un petit jeu aussi. Pamplemousse, orange, ananas. C'est super bon. Ça va faire un petit peu de sucre pour rouler quand il va commencer à faire noir. Avant, on mangeait des cochonneries. Maintenant, on essaie de faire des jus avec un petit peu de sucre parce que moi, ça me tient bien la nuit quand je mange du sucre. Je m'endors moins vite. Voilà. Et on va manger, c'est pas tout ça. Hein. On vous souhaite à tous... Je souhaite à tous un très bon appétit. Pourquoi tu rigoles? Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce que vous regardez? Ah, vous aussi vous êtes vierge? Moi aussi. Je suis né le 29 août, comme Michael Jackson. Michael Jackson est né le 29 août. C'est pas n'importe qui peut se permettre de dire je suis né le 29 août, t'es né quand toi? Le 28, voilà, t'es en dessous, c'est tout. Dans la vie, t'en as qui sont au-dessus, t'en as qui sont en dessous. T'es en dessous. T'es en dessous de Michael Jackson. En dessous, y'a personne, au-dessus, y'a personne. Michael Jackson. Comment se faire calmer par une sonnerie de téléphone. Voilà, donc sinon on arrête les bêtises et on va reprendre la route dans peu de temps. On a fini de manger là. Je voulais vous faire voir un truc, je voulais vous partager un truc là, je trouve que c'est super important. Aïe 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 aïe. Oh, ah. Je me suis rentré le coin dans le dos. Oh chouchou, mais t'es chiant. T'arrêtes pas de te le prendre. Ah, ça, ça fait trop mal. Ah. Ça pourra avoir un massage ce soir. Ah ouais, je veux un massage de la dos. Alors, je voulais vous faire voir ça. Alors, attendez, bougez pas. Voilà, ça c'est le petit écran qu'on a acheté sur Amazon, le petit beeper avec la caméra de recul, tout ça. Et eh ben c'est une grosse chiotte. Je suis pas du tout content. J'ai essayé de faire plein de réglages. Ça fonctionne pas. Regardez, l'herbe elle est rouge. On voit même plus la plaque d'immatriculation. Enfin, c'est pas clair. On dirait que c'est un truc qui fait 2 pixels. C'est nul. C'est trop nul. Je sais pas, on est en 2018, on peut faire des caméras de meilleure qualité quoi quand même. Sinon on les vend pas quoi. Je comprends pourquoi c'était à 80€ en fait. Donc je suis vraiment pas content du tout. En plus des fois on roule, ça fait ça. Tout seul. Ah super. Alors moi je reviens. Je le remets nickel. Mais pourquoi il fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est trop bizarre. Je suis pas du tout content. Et ça fait plus d'un mois qu'on l'a acheté, donc je peux plus le renvoyer. En plus, j'ai plus le carton. Et je me voyais mal enlever les 10 mètres de câble que j'ai fixé avec Théo sous châssis. Donc je suis très 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 déçu de cette caméra beeper. Voilà, spécial camping-car. Bah, elle va rester parce qu'elle fonctionne. Mais ouais, je suis dégoûté quoi. J'aurais dû mettre 50€ de plus avec une Wi-Fi puis une caméra de meilleure qualité. On vous fait tous des gros bisous, on reprend la route et à demain pour de nouvelles aventures. Bon bah là il y a des gens qui sont tombés en panne, donc bah on s'arrête et puis en fait ils ont dû crever je pense. Et bah Jérém leur file un petit coup de main, c'est des Chinois, ils parlent pas un mot français ou très peu, donc c'est pas évident. Ils ont mis de la bombe anti-crevaison et puis bah Jérém avec le compresseur ils ont regonflé quoi, il a regonflé le pneu. Donc bah maintenant à voir si ça va le faire pour eux quoi. On leur a dit de rentrer tranquillement, pas trop vite et pas prendre l'autoroute. Donc en espérant que ça va le faire. Voilà, affaire à suivre. Bon, et bien petite péripétie sur la route, on s'est arrêté en fait pour faire une petite pause, il faisait encore jour. Mmh. Et c'est dommage, j'avais commencé avec le timide.
Et il y a des gens, des personnes asiatiques ou des Chinois, ouais. Ils sont tombés en panne avec une voiture, un C4, et même pas de roue de secours dedans. Une bombe anti-crevaison. Donc on a essayé, on les a fait avancer derrière le bus, on les a dépannés avec le compresseur, comme vous avez vu. Mais apparemment, ils se sont fait prendre un coup de couteau sur Paris, dans leurs pneus. Là, quand je les ai vus partir, ça faisait pish, 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 pish. J'ai dit, vous roulez, si vous voyez que ça craint, vous arrêtez, puis nous, on s'arrête, on vous suit, de toute façon, on va s'arrêter derrière vous. On pourra pas faire grand-chose, malheureusement, c'est chiant qu'on peut pas aider les gens. Pourquoi ils mettent pas des roues de secours dans les voitures? C'est quand même dingue. C'est eux qu'on en parle ou il y en a? Non, ils en mettent pas. Pourtant, c'est pas une petite voiture, quoi. Ils vont appeler le dépanneur, comme ça. Donc voilà, ils vont être obligés d'appeler le dépanneur. Donc on se remet en route et affaire à suivre, quoi. Salut à tous. Salut. Nous sommes à... À 40 km de Grenoble, à peu près. 40 km, et puis après encore combien? Après 50, c'est ça, environ? Ouais, environ, jusqu'aux, ouais, Alpes d'Huez. Et là, on commence à attaquer des côtes comme ça, là. Donc, on va décrocher la voiture. On va la décrocher. Sinon, ça a bien roulé, la voiture. Ouais, ça va, t'es calme. Ça suit super bien. Moi, je trouve que ça suit même mieux qu'une remorque ou un plateau. J'avais l'habitude de tirer des voitures sur des plateaux, tout ça, quand on faisait de la piste. Et c'est plus stable qu'un plateau. Donc, je comprends pas pourquoi on n'est pas... Pourquoi c'est pas plus développé. C'est vrai. Bah, parce qu'il n'y a pas de remorque à acheter. Ouais, quand tu vois le prix d'un plateau. Enfin bref, voilà. Enfin, en tout cas, là, on a décidé de décrocher. Ça s'est super bien comporté. Ouais, voilà. Et là, on va décrocher. Pour éviter que trop forcer avec flash dans les montées, en fait. Il y va tranquille. Ouais, il y va, mais on n'a pas envie de trop forcer. On voit bien que voilà, il y a une tonne 4, une tonne 5 derrière. Là, si on peut lui éviter ça. Là, maintenant, il nous reste quoi? Une heure et demie de route. Charlotte, elle va prendre la voiture. Et on le savait de toute façon que quand ça allait être du plat, on allait prendre la voiture. Et, chie les camions, t'as vu? Et on savait que quand on allait avoir des grosses côtes, comme on fait souvent de la montagne, on savait très bien que la voiture elle allait suivre avec Charlotte derrière, quoi, c'est vrai. Hein. Donc voilà quoi, ça t'embête? Ouais. Ah, ouais, mais bon. Ah ouais, ça fait chier. Ouais, mais au moins on a une voiture quand on est posé aussi. Hein, on est censé si faire la route ensemble et puis là on est obligé de décrocher. Donc, ah ouais, ça voilà, m'emmerde. Charlotte elle est triste alors. Bah ouais. T'es triste. En plus je vais me retrouver toute seule alors. Ouais, bah ça non, fait t'as qu'à prendre un ou deux enfants. Ouais, super. Non, bah, je préfère on peut partager, seule, j'en ai plein. Je préfère être je t'en prête si tu veux. Pourquoi? Parce qu'ils sont chiants. Ouais. Tu vas me les laisser faire le bazar dans c'est le bus et tout. Oui. Bon ben voilà, on reprend la route, là on détache tout ça et on reprend la route. A plus, bye bye. Ici Bourdoisan, voilà. Salut à tous, alors nous sommes posés à Bourdoisan dans les Alpes. C'est super chouette, regardez. Les montagnes sont magnifiques. Une petite rivière avec des petits lacs et en fait c'est l'eau des glaciers, ce que j'ai entendu, qui coule directement ici. L'eau elle est super claire. Une petite rivière ici de ce côté-là avec un peu plus de courant. C'est calme, on va dormir ici avec le bruit de l'eau qui coule et tout, c'est magnifique. Et là vous avez des petits lacs en fait, et si on continue, il y aura une petite source avec une petite cascade qui s'appelle, si j'ai bien retenu, la cascade de la Pisse. Voilà, ça j'ai bien retenu parce que c'est marrant. Donc voilà, c'est vraiment magnifique.
est dans des endroits magnifiques et on n'arrête pas de trouver des déchets, quoi. J'ai une canette là-bas où il y avait Charlotte. Regardez, on avance tout doucement. Voilà, des déchets. Pourquoi les gens ils font ça? Moi je comprends pas. Quand est-ce qu'ils vont arrêter d'être sales? Regardez les sachets de baguettes. Regardez, c'est même pas des déchets, c'est des crasseux, quoi. Je sais pas, moi. C'est vraiment des... On n'a plus accès, là. Regardez, les canettes, elles sont cassées. On va ramasser quelques canettes, mais du coup, on peut pas tout ramasser parce que limite, ça devient dangereux pour nous, quoi. Si on pourrait se couper, on n'a pas pris de gants. Enfin, voilà, moi, je comprends pas les gens pourquoi ils sont comme ça. C'est vraiment des crasseux, moi, ça me dégoûte. C'est inadmissible de voir ça, quoi. Vers la cascade de la Pisse. Julia est morte, du coup je la prends. C'était trop tentant aussi. On a été voir le lac et on a vu qu'il restait 1,8 km avant la cascade. On a dit ah, vas-y, on va y aller. Comme on s'en va cet après-midi, on a dit sinon on va la louper, quoi. Et là on est bientôt arrivé. On entend le bruit. On entend le bruit de l'eau. Vous entendez le bruit là? Ça se fait de plus en plus présent là. Papa. Attends, papa il va descendre là-bas. Je vous laisse découvrir avec nous. On va découvrir ça ensemble, les vadrouilleurs. De la Pisse. C'était bien, bah, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, je suis désolée. Elle était trop bien. Belle. Oui, il faut marcher. Hein. Julia, elle a bu de l'eau dans la rivière. Alors c'était bon l'eau. Et à la fin, ouais, la super fin. Miam, miam. Miam, miam. Non, c'est bon, tu peux prendre celui-là, si. Donc voilà, bah, c'était cool, hein. Vous avez vu, on a découvert tout ça ensemble, c'était cool. Et là, il y a encore 2 km à faire pour encore rentrer. Encore 2 km pour rentrer au bus. On va manger une grosse plâtrée de pâtes, histoire de bien se caler. Ouais. Puis ça va être bien. On n'a pas déjeuné ce matin. Là, on commence tous à avoir faim. Papa, moi. Toi aussi, tu veux des pâtes? Oh ouais. Non, pas de pâtes, toi. Tu veux manger quoi? Tu veux faire une sieste? Non. Tu allez, as on faim va. Oui, on va aller manger, là. En route. Reliability for the biodiesel family. Josh DeKill made a famous movie. The astronaut from I Dream of Jeannie. Jason Hall and Russell Gerke.
They're in the bodies of family. Harmony. Let's plant a trove along the railroad tracks. It smells like French fries and it doesn't burn so black. You can tell your mama and your papa too. By these is for me, it's for you. We must make amends. So tell your mama, tell your papa too. My visa is for me, and it's for you. Margaret Farrell, Melissa Hardy, Ace Novella, and Jennifer Atkins. Run a co-op community for the bodies of family. Harmony. The National Parks and the NBB, the SBA and the IATP are all creating new policy for the bodies of family. For the bodies of family. Breathe the same air. The bodies of family. Voilà, voilà. Bon, notre petit périple. La petite vidéo se termine. On a bien roulé, hein, c'est vrai, on a fait pas mal de kilomètres. On n'a jamais fait autant de kilomètres, ouais. En si peu de temps. Ouais, bon, là, on devait rejoindre les copains dans le sud et tout, donc forcément. Ouais, voilà, on était pressés de rejoindre nos copains. Ouais, c'est ça. Donc là, on est arrivé au lac de Serpenson. C'est magnifique, ça y est, il est plein. Ça te fait quoi de le voir plein? Franchement, moi je le connaissais déjà, mais l'a vu il y a peu de temps, vide. Et là, le fait de revenir, déjà, il y a un monde fou. Il y a là l'emplacement. J'ai qu'on du mal avait, à supporter, moi, le monde là. Ouais, moi j'étais aussi, bien en vacances dans le jardin à ma mère parce qu'il n'y avait personne. Et là, c'est blindé, on a eu du mal à se garer. Donc là, on s'est enfin posé. Je pense qu'on va y rester deux nuits, je pense. Ouais, deux nuits. Ouais, parce c'est que c'est pas mal, on a une superbe vue. Et c'est trop beau. Donc on vous fait de plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre des petits pouces bleus. Des petits commentaires, hein. On essaie de répondre à tout le monde, de mettre des petits j'aime à tout le monde quand on peut. Quand on peut, on essaie de tout lire, ouais, voilà. Ouais, parce que c'est pas évident, mais sinon, n'hésitez pas de relancer, hein, quand vous voyez que vous n'avez pas de réponse, il n'y a pas de souci, hein, on répondra forcément. Je vais le rabâcher dans toutes les vidéos jusqu'à dimanche, n'oubliez pas notre passage à la télé. Oui. Dimanche soir, ouais, sur dimanche, TF1. Là, ça y est, on approche. À 18h30, émission 7 à 8 à TF1, ouais, vers 18h30, quoi, voilà. N'oubliez pas. Donc voilà, la prochaine vidéo va porter sur un petit peu le lac de Serpenson et puis dans le sud. Quoi. Ouais, ce qu'on va faire. Voilà, tranquillement. Puis on a nos rubriques à reprendre, hein, comment devenir nomade, tout ça. Donc, Il va falloir que je m'y remette, hein, sérieusement, qu'on s'y remette. On vous fait à tous des bisous. On vous embrasse et puis passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Allez, bisous. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Salut.